Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je suis Radhika, nous sommes lundi 9 août 2021. C'est parti pour une petite vidéo à action de Ivry-sur-Seine. Tiens, petite nouveauté, mais pourtant que j'ai déjà vu, il me semble, c'est ces porte-manteaux avec le crochet métal noir, donc porte-manteau en tech à 3,29€. Alors ce qui est bien, hein, bien pour d'autres pas trop, c'est qu'en fait, vous n'aurez pas la même forme sur aucun des porte-manteaux. C'est le petit plus un petit peu du tech. Si vous en achetez plusieurs, vous en aurez plusieurs différents. Après, il y en a qui vont plus ou moins se ressembler. Mais ça, c'est typique au tech. Typique au tech. Oh, c'est rigolo. C'est même ça. Et derrière, il y a le crochet, bien sûr, pour le mettre au mur. 3,29€. Donc le retour, hein, dans certains magasins de ces paniers comme ça, ovales. 4,79€. Ça peut être sympa dans une salle de bain de poser comme ça tous ces flacons. Et on l'a aussi en noir. Tiens, une autre petite nouveauté avec ces plantes grasses en pot. Alors, on a des pots dorés, donc ils sont à 2,19€. On les a en argenté. Puis après, on a différentes plantes. Hein. Oh, la pique. Et on les a aussi d'une autre forme, comme ça. Alors par contre, je les vois qu'en argenté, je ne sais pas si elles existent comme ça aussi en doré. Donc 2,19€. Voilà, on a plusieurs modèles de plantes. Tiens, je vois qu'ils ont remis aussi cette lampadaire. Métal noir et l'intérieur est un peu doré. Alors, c'est une lampe qui fait 1,54 m de hauteur. Alors, je le précise parce qu'en fait, moi, j'en avais pris une. Et je n'ai pas trop adhéré. Je ne l'ai pas laissée très longtemps chez moi. Je la trouvais trop basse. Après, attention, chacun ses goûts et chacun sa façon de décorer un peu son intérieur. Moi, elle ne me convenait pas. Puis du coup, je l'ai donnée à une amie. Et chez elle, ça fait top. Donc voilà, c'est toujours pareil. Des fois, il y a des choses chez nous qui qui ressortent pas tant que ça. Puis après, mis dans un autre décor, ça fait tout autre chose. Et en fait, je la voyais plus haute. Tiens, ils ont reçu cet ensemble de jardin 4 pièces en noir. On l'a eu en bois, couleur bois. Et là, on a en noir. Donc, il y a les deux chaises, le petit sofa et la table basse. 209€. Polyrotin avec coussin. Elle est même dans les plaids, se sont mis à l'automne. Couleur, je trouve, très automnale, ce marron. 7,49€. Il existe aussi en vert. Tiens, les butoirs de porte existent en noir. Donc avant, ils existaient comme ça en acier et noir. Alors c'est un retour parce qu'on en a eu il y a un petit bout de temps. Donc il y a ceux-là et ceux-là. Donc c'est 1,79€. Donc à quoi ça sert? Tout simplement à ce que la porte reste ouverte. Surtout si vous avez des courants d'air, je trouve que c'est important de mettre ce genre de choses, ça évite que les portes claquent. Après, on a d'autres choses qu'on peut mettre si on n'aime pas tout ce qui est acier ou noir, c'est ça. C'est assez rigolo. Hop, donc ça permet de maintenir la porte ouverte. Tiens, des nouveaux distributeurs de savon en céramique. Il y en a en noir et en gris. 1,99€. Ils sont sympas. La dernière fois, j'ai pris ceux-là parce que je vous en avais parlé, mais du coup, je l'ai pris pour mettre dans ma cuisine, pour mettre le gel pour les mains. Donc voilà, je trouvais ça plus sympa. Donc j'ai mis un pour le gel pour les mains et j'ai essayé de trouver un. J'ai pris le distributeur pour le liquide vaisselle. Mais après, je me suis demandé si je ne mettais pas les deux pareils, mais j'ai peur que les gens se trompent. Quelqu'un qui vient chez moi qui a envie de se laver les mains, du coup mettre du liquide vaisselle. Alors c'est pas bien grave, mais bon. On a le retour aussi de ces cendriers poussoirs, 1,18€. Alors, c'est plutôt des nouvelles couleurs. Hein. On a du gris, du rouge, du rose. 1,18€. Tiens, on retrouve encore ces dessous de verre en feutrine. Ils sont à 59 centimes, donc on les a en noir. Alors la dernière fois on a eu plusieurs motifs, après on les a en vert comme ça. Et
Et voilà, comme ça. Alors, je me souviens plus s'il y a un autre motif ou pas, mais en tout cas, c'est les trois que... Ah bah voilà, il y a une autre couleur aussi. Il y a ceux-là. Ils sont jolis, ceux-là. Donc 59 centimes pour les 4. Alors sur le coup, là, je réfléchis et de me dire qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre que des toutes vertes. C'est vraiment très joli. Tiens, ils ont mis aussi ces couvercles anti-éclaboussures avec le manche. 1,99€. Les pastés, alors ils appellent ça des pastés, moi j'appelle ça des filtres, hein. Donc pour faire son propre thé ou tisane, donc c'est un petit filtre en inox comme ça. Hop, on va voir derrière, vous voyez, hop, on le met comme ça. Et c'est 1,88€. Tiens, j'ai vu ça du bout du rayon, je me suis dit, tiens, c'est joli, ça me parle, mais ça fait longtemps que j'en ai pas vu, alors je sais pas si c'est nouveau ou pas. C'est des serviettes avec des petites boucles comme ça, elle fait 90 par 1,70 m. Donc il y a du vert, il y a cette couleur et il y a du blanc. Donc 70% de coton recyclé, 30% BCI coton. Elles sont à 9,98€. Tiens, les petites pochettes de voyage avec les flacons et les petits pots à remplir, 99 centimes. Donc il y en a 6. 3 flacons et 3 petites boîtes. Donc pour mettre son petit shampoing, pour mettre sa petite crème, d'ailleurs pour partir en vacances, mais même pour partir en week-end ou si vous allez à la piscine, etc. 99 centimes. Il y a du bleu aussi. Et ça, c'est pratique aussi si vous mettez ça dans des valises cabines. C'est les bonnes tailles. Vous avez aussi du liquide pour les lentilles, donc il y a normal et sensitive à 2,69€. Alors, il y en a toute l'année, mais c'est vrai que je ne vous les présente pas assez régulièrement, je pense. Donc si vous avez des lentilles, c'est des flacons de 380 ml, 2,69€. Alors une toute autre utilisation, moi j'ai acheté ces produits-là, mais je ne peux pas vous dire s'ils sont bien ou pas pour les lentilles, parce que nous quand on les a achetés avec les enfants, c'était pour faire du slime, le fameux slime, donc avec ça, de la lessive. Alors par contre, hein, le slime c'est super facile à réaliser, c'est super rigolo pour les enfants, mais bien évidemment il faut rester à côté, parce que bon, c'est des produits à ne pas manipuler par les enfants évidemment, comme la lessive. Bien sûr, le troisième ingrédient, c'est de la colle. Hein. Et pareil, hein, nous, on achetait tout ce qu'il fallait ici à Action. Alors, je vous parle de ça il y a peut-être 5 ans, 4-5 ans, et c'était beaucoup moins cher que dans d'autres enseignes. Et les enfants étaient ravis de faire leur propre slime. Aucun lien direct, mais test de grossesse. 2,69€. On a celui-là et celui-là à 1,59€. Alors, celui-là, c'est 4 jours avant la date présumée des règles, et celui-là, je crois que c'est dès le premier jour de retard. 1,59€ et 2,69€. Tiens, ce matin, je vous ai montré des bouillottes. Et en fait, il y a une bouillotte que moi j'aime beaucoup. Je vous avais dit ce matin que moi j'aimais pas les bouillottes à l'eau. Celle-ci dedans, c'est des noyaux de cerise. C'est 2,89€, donc à passer au micro-ondes. Et faut pas oublier de la vaporiser un petit peu avant. Hein. 2,89€. De la mangue séchée. Alors, l'une de vous m'a parlé de mangue séchée dans une autre enseigne. Et en fait, j'ai réfléchi et je me souviens pas l'avoir déjà présenté, mais plutôt ici. Donc, mangue séchée, 1,89€. Alors, des fois, on a d'autres fruits. Hein. Des fois, on a des pommes, etc. Là, c'est que la mangue. 1,89€ et 75 grammes. Alors, on a goûté ça, nous, la dernière fois, là, les choupa choups. Là, on avait pris fraises et cerises. Et c'est pas quelque chose que je rachèterais. On n'a pas trop aimé le goût avec les enfants. Tiens, de l'eau de coco. Alors, j'ai jamais goûté pareil. C'est sans sucre. 1,99€. Ça, j'ai goûté. Alors, j'ai pas goûté ce aux fruits. Celui-là, c'est pomme, mangue. Alors, celui-là, il doit être bon, enfin, je suppose. 79 centimes, mais moi, j'ai l'audace de goûter les smoothies. Alors je suis quelqu'un, j'aime bien les légumes, il n'y a pas de souci, mais j'ai goûté celui au brocoli. J'ai pas aimé vraiment. Et j'avais acheté la betterave aussi, pareil. Le goût de la betterave et le goût du brocoli était trop prononcé, c'est pas ce que j'attendais. Voilà, 79 centimes. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait aussi cela.
que des fruits. Et en fait, je voulais goûter parce que je voulais une petite gourde avec des fruits et des légumes. Mais bon, mauvaise expérience pour moi. Mais pourtant, il y en a beaucoup en commentaire qui me disent que eux ont aimé. Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, chacun ses goûts. Voilà, typiquement, moi j'adore ce chocolat. Dedans, il y a de la menthe. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout l'association du chocolat noir et de la menthe. Ça fait des années que ça existe, cette petite friandise. Et c'est 1,89€. Allez, on recommence avec ces merci. Voilà. Merci, merci à tous d'être là, vraiment, à chaque fois je lis vos commentaires, votre soutien, vos mails, etc. Merci beaucoup d'être à mes côtés. Alors, il y en a qui sont là depuis le début, il y en a qui ont rejoint l'aventure un peu plus tard, il y en a peut-être que c'est votre première vidéo de la chaîne. En tout cas, merci beaucoup d'être là, voilà. C'est un paquet de chocolat et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a quatre... c'est emballé individuellement, en fait, voilà. Et il y en a quatre. C'est 1,79€ et il existe aussi avec des petits éclats de noisettes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.